le moins pas possible en de condition. Rejoindre son emplacement, poser le vélo, le casque également, positionner les arts, les running. Dans les pieds, c'est parti pour la course à pied, la dernière partie du triathlon, mesdames et messieurs. C'est maintenant qu'il faut faire du bruit, les encourager. La première dans le parc vélo et derrière ça va suivre, bien sûr. 60 triathlètes, voilà déjà la deuxième team. Les couleurs du triathlon club Nantais, les couleurs également du Forêt Survie. Sylvie Racoué, Emma Chev, Anaïs Novak. Let's go.
allez, Sandrine, go, go, go. Et la troisième, Lucie Leroy, qui entame sa deuxième et dernière boucle de course à pied. C'est bien, ça y est, c'est parti, dernière.
fraternité, à cause de l'amour et les habits qui s'imposent. On vous demandait de faire du bruit également pour accueillir celle qui va prendre la deuxième place, elle n'est que cadette. Elle porte les couleurs du poids et survivant le triathlon. We'll be right back.
We'll be right back.
rappelle, chers amis, qu'il restera encore une épreuve dans cette fin d'après-midi à 18h30 avec le Relais XS. Allez, nous accueillons Dossard 44 et 31-44 avec le final pour Sharon Middleton et également Karine Erger. De cette pratique, de ces belles disciplines enchaînées. Thank you.
programme. De natation, 14 km de vélo et 3 km 600 de course à pied pour en terminer. Je signale également qu'on a retrouvé un compteur noir de marque Sigma, une des concurrentes du triathlon sexe féminin, à retirer au niveau du podium. Des athlètes récompensés par la Ligue, un titre d'athlète licencié, Fleury Sabrina, la troisième place chez les licenciés. Comme je rappelle, Estelle Bouy, Élie Thibault, Sabrina Fleury de rester présente avec nous pour la remise de prix tout à l'heure. Tout le monde, les nageurs, les cours.